les gars, c'est bon, on fait l'intro YouTube qui nous a été rappelé par Nassim, les gars, je tiens à le dire. Nassim, il a pointé, il a dit, les gars, n'oubliez pas l'intro YouTube, les gars, bienvenue sur un tout nouvel épisode. Merci Nassim. De notre club à FIFA, FIFA 1-2, toujours avec 0€. Aujourd'hui, les gars, c'est un épisode particulier parce qu'on va ouvrir nos packs, choix joueur pack campagne et également quelques-uns de la communauté pour voir si ça donne ou pas. Il y a une petite spécificité dans ce pack-là, c'est que tu peux peut-être taper des joueurs de la FUT Fantasy Team 2. Ouais. Plutôt intéressant, on espère t'avoir tapé du très très lourd. Et dis-nous dans les commentaires ce que toi tu as joué. Donc du coup, si tu kiffes la vidéo, le gros pouce bleu, n'hésite pas aussi à t'abonner en activant la cloche de notification. Et merci beaucoup les gars du soutien ces derniers jours, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Et non, moi je vais pas pouvoir le faire les gars sur Xbox. Ah ben si, il peut rien faire sur Xbox. Mais les gars, on est sur PlayStation, on va envoyer cette première équipe. C'est deux boosts, une équipe 84. On va voir ce que ça va donner. Personnellement, moi j'ai pas trop d'attente. Je pense que c'est un peu un pack douille ça, mais on va voir. Après, on peut se tromper, tu vois. Et c'est seulement deux choix. Bon les gars, nos deux choix joueurs campagne. Est-ce que on va se régaler? Ah mais ils sont éliminés. Savanier est très fort mec. Je vais pas jouer avec lui. Est-ce que ça remplace Gullit? Non. J'ai des doutes. Pour vous les gars, victoire ou défaite? Ah ouais, ça coûte 65 000. Hein. Enfin, 60 000 pardon. 60 000 sur PlayStation. Et un 89, je crois que c'est autour des 40 000. Dans mon manuel, c'est une petite défaite. Monsieur. Défaite. En plus, c'est un joueur qui est éliminé de la LDC. Bon, Sanchez. Mais au moins, on a vu, on aura un petit peu vibré. Allez. C'est un team fantasy de la... Enfin, c'est un fantasy player. Fut fantasy, oui. Donc oui, donc la prédit passe. Maintenant, c'est pas le... C'est pas foufou quoi. Défaite ouais. En vrai. Ouais, dans notre manuel, les gars, c'est des défaites. Les gars, victoire ou défaite? Victoire. Ouf, désolé frérot. Oh là là, ça commence. Messieurs, attachez vos ceintures. Défaite. Mais il faut que... Ouais, non, même si Griezmann il a 2-3 informes, ça remplacera pas sa version flashback, qui est quand même assez forte. C'est le headliner. Pas mauvais. C'est le headliner. Pour le coup, mon ref, c'est plutôt bien ça. Déjà, c'est un Fodors 92, et en plus de ça, bon, Fodors, oui ou non, ça va dépendre, mais il est jouable. Montre-moi son équipe, vite fait, là. Montre-moi son équipe. On te prend Kimmich. T'as ton Kimmich à la place de Tolisso. Par contre, le not found... Ah, c'est terrible, ça, les gars. Et il est vendable, ton Tolisso? Ah, tu me vends Tolisso. In my books, it's a win. Bah non, mais pas Alexandro, frérot. Peut-être qu'il est en doublon. Oh là, ça sent. J'espère qu'il est en doublon, les gars, sur Alexandro. Parce que l'âme, il a pas hésité. Bah, frérot, il me donne sur cette partie. Ah, il l'avait en doublon, tu vois. Ça marche, ça marche, ça marche. Ouais, parce qu'un Sandro, normalement, tu le gardes. Hein. Je sais même pas s'il est jouable, d'ailleurs, cette année. Pas ouf, mais jouable. Carrément chaud. Par contre, le frérot, il est une équipe. Oh. Messieurs, Lolon, vous pensez qu'il vient de l'avoir, les gars, dans le Prime ou Moments 92+. Je l'ai jamais vu encore virer Moments dans une équipe. La carte est oufissime, les gars. Quelle équipe? Un Awar ou Sam Awar Fut Fantasy? Ah là, t'es bien, moi. Là, bien. Tu serais au top. Dans tous les cas, tu sais, ouf. T'as le Fut Bordé. C'est un Fodor. Pour moi, c'est un 89. 89 garanti. Tu perds un peu parce que ce SBC coûte 60 000, donc là, tu perds 10 000 crédits. Mais tu me donnes ces choix-là... Quand tu veux, si derrière c'est pour taper Vieira Moments. L'équipe est très sympa. L'équipe est très très sympa les gars. J'adore. Ça se voit que le frérot il a un peu réfléchi par rapport au lien et tout. En vrai, elle est magnifique ton équipe. Bien joué mon gars. Maintenant, on veut du lourd. Oh. Ça peut rentrer à la place d'un Nkunku. Ça peut rentrer. Et encore. Vincent, bois de l'eau s'il te plaît. Ouais, demain les gars, on va au match PSG Bayern des féminines. On espère voir un gros match, ce sera pour la qualif des parisiennes. Au moins on verra un quart de finale. Au parc. Delany défaite. Deuxième défaite de suite là. Messieurs, profitons de la victoire tous ensemble. Ça peut remplacer Marquinhos? Non. Entre un Marquinhos régulier et un Van Tongen les gars. Non, pour moi Marquis reste supérieur. Au goal tu mets Courtois et Dédé tu mets Manafa. J'ai pas l'habitude de dire ça mais ce soir Vincent est mignon. Merci, merci frérot, merci l'énergie. Ce pleur pique est pour toi. Oh les deux cartes à dit de base. Bien nul. Bien, bien nul. C'est terrible. Here we go. Les deux prochains, est-ce qu'on va avoir du lourd? C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes les gars. Dites-vous les gars, on va arriver au mois d'avril. C'est une dinguerie. Oh départ, ça peut être... C'est pas... Ça aurait été mieux le Fut Fantasy. Pour les frérots sur YouTube qui ne suivent pas sur Twitter, les... Vincent, ouf Twitter.
Les gars, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris ça au premier degré. Les gars, hey, c'est un truc de ouf. C'est le jour de la finale de la Coupe du Monde et ton équipe joue mais ta copine est à l'hôpital. Tu prends de la bière ou du soda au stade? Eh les gars, franchement, je me suis réveillé, Vincent il avait tweeté ça. C'est rare que Vincent soit drôle et franchement j'ai rigolé. Pour le coup j'ai rigolé. Et aussi les, hey, la télé de fou messieurs. Sur Twitter on peut vous montrer les gars. On salue, c'est Mila Jasmine qui a un frérot, nous a envoyé sa story sur Instagram. Je crois que c'est sûrement son... Je sais pas si elle est mariée ou pas, si c'est sûrement son mec qui regarde nos vidéos. On te salue les gars. La télé de fou malade. On te salue mon gars. Voilà, on passe le bonjour et merci les gars de tout le soutien partout où vous êtes les gars. Merci les gars. Ce pack là, il est pour vous les gars. On en continue. Allez, on continue messieurs. Heureusement ça va pas nous arriver ça. Alors oui, joueur du Bayern milieu de terrain, mais non, c'est Makimi. Alors oui, milieu de terrain, Bayern, qui a des stats tous au-dessus de 70, mais, ce n'est pas Kimi. Bulldog veut qu'il a la ref. Oh, oh les gars. Enfin une victoire. Ça se trouve, vous voulez Vertonghen. Non, ouais, incroyable. Non, c'est bien. Je la donne à Vincent les gars, c'est là. Vincent avec le nez. Est-ce qu'il aura le flair? Ah, j'espère que c'est un supporter rennais. Oh. Alors oui, 2D c'est Wants to Watch français, oui. Oui mais. Et il est fait progresser. Après tu vois, t'as Guardiola aussi qui est extraordinaire, mais Guardiola il a des très très gros moyens. Et Guardiola en fait il est incroyable. Mais moi je trouve que les travaux de Klopp sont plus impressionnants que ceux de Guardiola. Klopp est le meilleur coach du monde pour moi. En tout cas les gars, ça sera le dernier player pick de cette vidéo les gars. Il y aura eu pas mal de défaites, la seule victoire ça serait quoi? C'est Jean-Félix. Perso, pour moi c'est une petite victoire. Entre Jean-Félix ou Kai Havertz les gars, c'est quoi la victoire de la vidéo? Jean-Félix, largement. Mais Kai Havertz? Ouais Jean-Félix. Mais je sais pas s'il est vraiment très très bon in-game. Je sais pas, je l'ai jamais joué encore. C'est Félix. Tire en finesse, extérieur du pied. C'est Félix les gars pour moi. Après, Havertz, si Chelsea gagne la LDC, ça peut aller très très loin. Très 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 loin, ça peut aller à 94-95 de notes. Donc, on peut avoir. Les refs, les gars, si vous avez kiffé la vidéo, le gros pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche de notification. Et donc, du coup, nous, on se capte tout à l'heure en stream sur Twitch. Que Dieu love les BG, mon prénom c'est Vincent. Moi, c'est Liam, prends bien soin de toi, prends bien soin de ta famille. Que Dieu love les gars. Au revoir. Au revoir les refs.